Le petit prince chapitre 14 La cinquième planète était très curieuse. C'était la plus petite de toutes. Il y avait là juste assez de place pour loger un réverbère et un allumeur de réverbère. Le petit prince ne parvenait pas à s'expliquer à quoi pouvait servir quelque part dans le ciel, sur une planète sans maison ni population, un réverbère et un allumeur de réverbère. Cependant, il se dit en lui-même, peut-être bien que cet homme est absurde. Cependant, il est moins absurde que le roi, que le vaniteux, que le businessman, que le buveur. Au moins, son travail a-t-il un son. Quand il allume son réverbère, c'est comme s'il faisait naître une étoile de pluie ou une fleur. Quand il éteint son réverbère, ça endort la fleur ou l'étoile. C'est une occupation très jolie. C'est véritablement tout-il-puisque-c'est-joli. Lorsqu'il aborda la planète, il salua respectueusement la lumière. Bonjour. Pourquoi viens-tu d'atteindre ton réverbère C'est la consigne, répondit l'allumeur. Bonjour. Qu'est-ce que la consigne C'est d'atteindre mon réverbère. Bonsoir. Il le ralluma. Mais pourquoi viens-tu de le rallumer C'est la consigne, répondit l'allumeur. Je ne comprends pas, dit le petit prince. Il n'y a rien à comprendre, dit l'allumeur. La consigne, c'est la consigne. Bonjour. Et il éteignit son réverbère. Puis il s'épongea le front avec un mouchoir à carreaux rouges. Je fais là un métier terrible. C'était raisonnable autrefois. Je tenais le matin et je l'allumais le soir. J'avais le reste du jour pour me reposer et le reste de la nuit pour dormir. Et depuis cette époque, la consigne a changé? La consigne n'a pas changé, dit l'allumeur. C'est bien là le drame. Le planète d'année en année a tourné de plus en plus vite et la consigne n'a pas changé. Alors, dit le petit prince, alors maintenant qu'elle fait un tour par minute, je n'ai plus une seconde de repos. J'allume et j'éteins une fois par minute. Ça, c'est drôle. Les jours chez toi durent une minute. Ce n'est pas drôle du tout, dit l'allumeur. Ça fait déjà un mois que nous parlons ensemble. Un mois? Oui. Trente minutes? Trente jours. Bonsoir. Et il ralluma son réverbère. Le petit prince le regarda et il aima cet allumeur qui était tellement fidèle à la consigne. Il se souvint de coucher de soleil que lui-même allait autrefois chercher en tirant sa chaise. Il voulut aider son ami. Tu sais, euh, je connais un moyen de te reposer quand tu voudras. Je veux toujours, dit la lumeur. Car on peut être à la fois fidèle et paresseux. Le petit prince poursuivit. Ta planète est tellement petite que tu en fais le tour en trois enjambées. Tu n'as qu'à marcher assez lentement pour rester toujours au soleil. Quand tu voudras te reposer, tu marchera, et le jour durera aussi longtemps que tu voudras. Ça ne m'avance pas à grand chose, dit l'allumeur. Ce que j'aime dans la vie, c'est dormir. Ce n'est pas de chance, dit le petit prince. Ce n'est pas de chance, dit l'allumeur. Bonjour! et il son réverbère. Celui-là, se dit le petit prince tandis qu'il poursuivait plus loin son voyage. Celui là serait méprisé par tous les autres, par le roi, par le vaniteux, par le buveur, par le businessman. Cependant, c'est le seul qui ne me paraisse pas ridicule. C'est, peut-être, parce qu'il s'occupe d'autre chose que de soi même. Il eut un soupir de regret, et se dit encore Celui là est le seul dont j'eusse pu faire mon ami. Mais sa planète est vraiment trop petite. Il n'y a pas de place pour deux. Ce que le petit prince n'osait pas s'avouer, c'est qu'il regrettait cette planète bénie à cause, surtout, des 1440 couchers de soleil par 24 heures.